بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى أصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما يرفعنا أما بعد فما زلنا بتوفيق الله عز وجل مع مختصر سيد خليل بن إسحاق الجندي المالكي المتوفى سنة 776 للهجرة. أما بعد, nous étions avec le مختصر de سيد خليل بن إسحاق الجندي المالكي décédé en l'an 776 de l'Hégire. Nous étions au chapitre 2 de la purification, exposé des substances pures et impures. Nous avions traité des deux premières mas'alas qui concernent les substances pures. Nous avions parlé de l'animal qui est mort, puis nous avions parlé du pelage de l'animal, qu'il soit vivant ou mort. Nous avions terminé cette deuxième mas'ala par quelque chose d'important, une règle, qui est quoi ? Que ce en quoi la vie ne s'incarne pas, à savoir le pelage, les poils, ce en quoi la vie ne s'incarne pas, ne devient pas impur après la mort. Ok ? Ce en quoi la vie ne s'incarne pas, ça ne devient pas impur après la mort. Autrement dit, comme la vie ne s'incarne pas dans les poils, alors une fois qu'ils sont sur un corps mort, ils ne deviennent pas impurs, ces poils-là. Ces poils-là, détachés, ils ne sont pas non plus impurs, parce que la vie ne s'est pas incarnée dedans. Ils ne prennent donc pas de jugement particulier. D'accord. Ils ont le jugement d'être quelque chose qui est détaché de l'animal, certes, mais ils ne sont pas des corps impurs. L'auteur, rahimahullah, entre dans la troisième mas'ala en disant « L'objet inerte, sauf ce qui enivre, est pur de même. » D'accord. Ici, il évoque un huitième élément dans la liste, qui est implicite ici, que j'ai donc rajouté entre crochets, mais qu'il n'a pas mentionné lui-même en tant que nombre ou en tant que succession ici numérique. C'est donc un ajout de ma part que j'ai mis entre crochets. L'objet inerte, à savoir le corps non vivant et non détaché du vivant. D'accord. Donc ici, il définit ce que c'est l'objet inerte, pour que l'on comprenne de quoi est-ce qu'il veut parler quand il dit objet inerte. L'objet inerte, sauf ce qui enivre, est pur de même. Okay. Si on dit que l'objet inerte est pur, on va donc définir ce que c'est l'objet inerte, pour que l'on comprenne de quoi on parle. C'est le corps qui est non vivant et non détaché du vivant. Okay. Autrement dit, si un corps est vivant ou s'il est détaché du vivant, ça n'est pas un objet qu'on appelle inerte. Tout simplement, c'est juste ce que l'on veut dire. D'accord ? Donc, quand on dit ici le corps non vivant, ça veut dire le corps en lequel une âme ne s'est pas incarnée. Ok ? Comme un caillou, un bout de bois. Parce qu'on le rappelle, on l'avait dit dans le cours précédent, les plantes ne sont pas vivantes au sens qu'elles ont une âme, donc elles n'ont pas d'âme. On peut dire vivante dans un sens qui est figuré en français. On ne va pas non plus s'enchaîner dans des tournures qui sont dépourvues de sens figuré. On peut le dire dans un sens qui n'est pas du point de vue de l'âme. Okay, on peut dire que les plantes sont vivantes, tout comme on peut dire que les virus sont vivants, si les gens veulent dire qu'ils sont vivants, même s'il y a un débat à ce sujet. Mais, d'accord, si on veut employer des figures des tournures qui sont figurées, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais elles ne sont pas vivantes au sens islamique ou au sens que elles auraient une âme. Elles n'ont pas d'âme, donc elles ne sont pas vivantes en ce sens-là. Le corps non vivant est non détaché du vivant. Donc si c'est quelque chose qui est détaché du vivant, comme par exemple le miel, la graisse, l'œuf, ces choses-là ne sont pas appelées des objets inertes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont détachées du vivant. Elles viennent du vivant, donc elles ne sont pas appelées des objets inertes. Mais elles ont un jugement qui est en fonction
de ce que l'on va évoquer plus tard, inshallah ta'ala. Mais là, on dit simplement qu'elles ne sont pas appelées des objets inertes. Elles n'entrent pas dans la mas'ala, ici, que soulève le cheikh. L'objet inerte, sauf ce qui enivre, est pur de même. Tout objet inerte, ok? Tout matériau, la pierre, le béton, ces exemples-là sont des choses qui sont dures de parmi les objets inertes. Des objets qui sont durs. Okay? Le béton, la pierre, le sable, la roche, toutes ces choses-là ne sont pas impures. Elles sont pures. Ce sont des objets inertes purs. De même parmi les choses liquides, comme l'eau, okay? L'huile, ces choses-là sont des objets inertes, liquides. Sauf ce qui enivre. Et ici, c'est donc l'alcool, ici, que l'on veut viser, al-khamr. Le vin et plus généralement l'alcool. On veut dire l'alcool du point de vue de la substance qu'il y a dedans, l'alcool éthylique, l'éthanol. Okay, donc on ne parle pas ici de certaines substances chimiques qu'on peut appeler des alcools au sens large, parce qu'elles ont un groupe OH. D'accord? Ce n'est pas dès lors qu'on a un groupe OH que c'est un truc qui enivre. Quand on dit ici la substance qui enivre, c'est l'éthanol. La substance, la molécule donc qu'il y a dans l'alcool, habituellement, dans le vin, dans le kirsch, dans le whisky, dans ces choses-là que les personnes boivent et par lesquelles elles s'enivrent. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par enivrer, une boisson qui enivre? Mouskil, une boisson qui enivre. C'est ma ghayyaba al-aql, ce qui fait s'absenter la raison, ce qui fait s'absenter, ce qui fait partir, ce qui fait quitter la raison de la personne. La personne, elle perd sa raison. Elle n'a plus sa raison entièrement, d'accord? Elle ne dispose plus de sa raison. Ma nash'atin wa tarab. D'accord? Ma ghayyaba al-aql ma nash'atin wa tarab. Ce qui fait s'absenter la raison avec une sensation d'exaltation, une sensation d'élévation, d'exaltation, ça c'est nash'a, et avec une sensation d'euphorie. La personne elle est comme hyper contente, d'accord, l'euphorie. Elle a des sensations de joie immense. Elle est désinhibée. Ok? La désinhibition, c'est peut-être plutôt du côté de l'élévation, l'exaltation, d'accord? Mais c'est ça ce qui est la définition de l'ivresse. Ce qui enivre, c'est ce qui fait s'absenter la raison avec exaltation et watarab, exaltation et euphorie, pardon. Ce qui fait s'absenter la raison avec exaltation et euphorie. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.